Bonjour. Et là, innovation. Bonjour. Alors, eux, leur métier, c'est. On a développé une technologie radiofréquence qui va permettre de connecter des objets qui nativement ne sont pas prévus d'être connectés. Ah oui ? D'accord. Donc, si je vous donne ce tag, vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous êtes, si vous bougez, quelle est votre température, etc. Avec ça ? Et donc, je vous l'offre. Ah bon ? Mais je veux bien, mais. Si vous ne voulez pas, vous mettez dans la poche de votre collègue. Mais je suis connecté à quoi ? Alors vous êtes connecté à notre plateforme. En fait, on est RFID, c'est très court de portée. Non, justement, la technologie qu'on a développée permet d'avoir 100 mètres de portée d'identification. Ah, quand même, 100 mètres. On est quand même à peu près dans les gants 3 fois supérieurs à des systèmes connectés classiques. Il y avait des durées de vie qui sont extrêmement importantes, puisqu'elles sont entre 10 et 20 ans. Donc, à peu près 5 fois supérieures. Vous avez quand même une pile là-dedans. Voilà. Tout le challenge, en fait, c'est d'arriver à avoir des autonomies extrêmement importantes. Ouais. Tout le travail sur la consommation. Et alors, là, je me connecte à quoi, là ? Là, vous allez vous connecter à notre plateforme, et après, vous allez pouvoir récupérer les données sur votre smartphone. Donc, on passera par notre Mais là, vous l'avez programmé pour prendre ma tension, ma température, ou pas ? Pas du tout. Je le garde ou je... Ah, vous pouvez le garder, ça me fait plaisir. Je mettrai sur mon étagère du Medef. D'accord. Le French Technology qui gagne. Montpellier ? Excellent. Montpellier, oui. Bon, d'accord. Et ça, vous avez commencé à combien de temps ? Ah ben, il y a 15 ans. Le tout début du projet, il y a 15 ans. Et maintenant, on est en plein boom commercial, puisque cette année, on fait 70% de croissance. Ouais, c'est super. Voilà. C'est le lancement à fond, et avec l'ouverture internationale, il est venu nous en rejoindre. Il y a pas plus de 2 ans pour l'ouverture. Là, vous êtes vraiment B2B sur l'industrie, sur les produits industriels à suivre, dans des chaînes de process. On suit par exemple des moteurs en cours de construction. Oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est très industriel comme vocation au départ. Oui, d'accord. 10 ans, 20 ans de durée de vie. On espère arriver à faire plus. On est en train de travailler sur un projet de recherche pour faire plus. Ouais. Effectivement, ça permet à nos clients d'avoir des calculs de retour sur investissement sur des durées qui sont très très longues. Et là, le salon est intéressant pour vous. C'est extrêmement intéressant. Top. C'est une première opération, c'est une belle découverte du marché. Super. Merci beaucoup. Bonne visite. Merci pour votre visite.